France Bleu Pays Basque, la radio partenaire de votre week-end. Et on est arrivé à la voir Maxime Coudour. Bonjour Maxime. Bonjour. Oui, effectivement, je suis dans le en Bretagne et en ce moment, il y a des petits problèmes de réseau. Ah ben oui, ben écoutez, vu les conditions météo que traversent nos pauvres amis bretons, je sais qu'on nous écoute d'ailleurs hein, sur Internet. J'ai quelques bretons qui sont avec nous et ben, je les salue au nom de toute l'équipe ici de France Bleu Pays Basque et puis évidemment de nos auditeurs parce que je pense qu'ils traversent des moments un petit peu difficiles. Là, et promis, je leur passerai le message. Voilà. Maxime, allez, on va quand même parler bien évidemment de ce rendez-vous le 16 janvier prochain. Alors, avare et non l'avare, pourquoi vous avez enlevé le L ? Alors, nous sommes tellement avaricieux, voyez-vous, que nous avons perdu le L, il nous coûtait trop cher à l'impression. Non, la vraie raison, en fait, c'est que c'est une adaptation de Molière, on ne pouvait pas garder le titre l'avare, sinon il y aurait tromperie sur la marchandise, car en fait, on réserve beaucoup de surprises pendant cette pièce. L'idée, c'est vraiment de garder le texte de Molière à certains moments, mais la subtilité, c'est qu'en fait, les comédiens ont appris tous les rôles de la pièce et tous les jours, c'est le public qui choisit qui jouera quoi. Voilà, c'est ça. Du lendemain, on peut changer complètement de profil d'acteur. C'est-à-dire qu'un garçon peut jouer une fille un garçon, un jeune un vieux un jeune. C'est-à-dire qu'une jeune fille peut très bien se retrouver à jouer Harpagon et avoir comme fille dans la pièce en face un jeune homme. Ah d'accord, mais l'intrigue reste toujours la même. L'intrigue est toujours la même, ça ne bouge pas. On a un petit peu simplifié dans l'histoire, on a gardé un triangle amoureux pour aller plus rapidement à l'avarice du père et au mariage impossible. Et sinon, c'est exactement le même principe de pièce de base. Comment vous est venue cette idée ? C'est une volonté d'échanger, encore une fois, de communier un petit peu, un rappel un peu du théâtre de rue auprès du public ? C'est exactement ça, c'est-à-dire que le spectacle à la base vient de la rue, hein. On l'a créé pour le festival d'Aurillac à la base. Que nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment quelque chose de très interactif. On voulait vraiment jouer avec le public, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas de frontière entre la scène et la salle, le spectacle est vraiment partout. Et l'idée pour nous, c'était de réentendre une langue différemment, essayer de jouer avec les mots, vraiment avoir un vrai plaisir dans cette langue-là. Et puis j'ai lu quand même dans la presse spécialisée un spectacle qui est né de votre désir commun de lutter joyeusement contre la crise. C'est un petit pied de nez contre la crise. Exactement, c'est-à-dire que c'est une pièce qui est terriblement actuelle. Molière a quand même cette férocité dans l'écriture, c'est que on peut lire cette pièce aujourd'hui, il y a 200 ans ou dans 200 ans, elle sera toujours autant actuelle. Ça parle vraiment à tout le monde et c'est avec des mots simples. Il n'y a pas de métaphores, les choses sont au premier degré et c'est ça qui fonctionne très très bien. Ce contact, ce rendez-vous avec Avignon. Alors effectivement, on a été au Festival d'Avignon, c'est un grand pari pour nous. Et nous, on est vraiment vraiment très très contents. C'est-à-dire qu'on a eu une rencontre avec le public. Comme je vous l'ai dit, on a commencé ce spectacle en rue. Là, on est venu en salle, un vrai défi, et on est très content de l'avoir remporté. On a remporté beaucoup de professionnels, et c'est ça aujourd'hui qui nous permet d'avoir une jolie tournée dans la France. On a joué un mois à Nantes en décembre. Là, maintenant, on va à Hendaye, Perpignan, Gérardmer. Ça se passe donc le 16 janvier. Ce sera du côté de la salle de l'espace culturel Mendy Solane à Hendaye. Le 16 janvier, c'est à partir de 20h30. Merci beaucoup, Maxime Coudour. Nous vous accueillerons avec un grand plaisir. À vous tous, une très bonne journée.